see me rolling, they hating. Yo les amis, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Quoi, tu vas me dire qu'on a encore du boulot? Et on va sur quel terrain ce coup-ci? On a goûté en Artois. Ah, ça fait un moment qu'on y va. Ouais, la dernière fois qu'on était là-bas, c'était en roulant 85 km. Ah ouais, tu crois que ça a changé? Ouais. Bon, vas-y, on y va. Allez, let's go. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un début un peu particulier par rapport aux autres. D'habitude, je vais prendre des plans de l'ensemble du terrain, mais là, malheureusement, j'ai pas pu venir la veille. Du coup, quand j'étais dans les premiers à rouler, j'ai dû passer mon autocontrôle technique et installer tout ce qu'il fallait dans le camion, tout ça. Du coup, j'ai dû m'habiller directement pour l'entraînement qui était assez boueux. Moi c'est rudimentaire. C'est une éponge et une bassine. Eux ils ont des carters. Non j'avais pas besoin. Moi c'est à l'ancienne. Jastic à la macho. Allez hop, un big up. Par chance, il y a quand même une âme charitable qui m'a prêté son karcher. Donc si tu vois cette vidéo, tu m'as sauvé la vie et merci beaucoup. Ensuite, concernant les manches, il y avait peu de pilotes dans les deux catégories MX2, il y avait qu'une quinzaine de pilotes. Et vous l'avez vu dans le titre, j'ai mis trois finales parce qu'en fait, ils ont décidé de réunir tous les pilotes ensemble directement. Donc on était tous automatiquement qualifiés pour la finale. Mais bon, vous doutez bien que les deux premières manches, c'était un peu comme déjà une finale. Ça roulait déjà très très fort. Mais bon, j'ai fait de mon mieux. Oh, c'est con ça! Pas de panique Philippe, j'ai le début de la manche. Hop 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 hop, j'ai une réclamation là. Bon Tanguy Alexandre, vous auriez pu au moins faire semblant de faire une erreur avant de couper la piste. Hérétique, au bûcher, c'est le bûcher. Ceci était du second degré, pas la peine de vous acharner dans les commentaires. Merci de votre compréhension. Bon, je vais vous épargner la fin de la manche parce que bon, la qualité, vous voyez, est au rendez-vous. Franchement, nickel. Merci Théo de m'avoir aspergé de boue, c'était vraiment sympathique. J'étais tellement obstiné dans la manche avec la boue et à frotter ma GoPro que c'est vrai que à partir du quatrième virage, j'étais bon dernier. Mais j'ai quand même surmonté pas mal de places. J'ai remonté 11 places, je crois, en tout. Mais bon, c'était pas vraiment très convaincant cette manche, mais bon, je me suis quand même bien marré. En attendant, pendant la pause, je suis allé sur le terrain prendre quelques plans de l'ensemble du circuit pour vous montrer la magnifique piste de Gouet en Artois. Et on se retrouve ensuite pour la seconde manche de la journée. Écoute, donne-nous un conseil pour aller plus vite.
On va ouvrir la poignée de gaz. Tu ouvres la poignée de gaz, ça va quand même beaucoup mieux. Beaucoup mieux. T'enlèves le starter, hein. Un conseil pour aller vite. Pour enlever le starter, Eric. Un conseil pour d'être au prestige, là, pour avoir la vitesse. Éviter les cailloux, il faut demander à Eric. Eric, c'est le spécialiste des cailloux. Moi, je demanderai aux autres de ralentir un peu. Voilà, pour que j'aille plus, un peu plus vite. Ouais, ça, on essaiera de lui laisser passer pour dire qu'il est. Bon, commence pas à être désobligeant. Coupe la caméra, là. Après avoir bataillé avec un pilote pendant plusieurs tours, j'aurais du mal à rattraper le groupe de 5 pilotes qui étaient juste devant moi par manque de temps dans la manche. Mais bon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on est tous qualifiés d'office pour la finale.
Malheureusement pour moi, je resterai derrière Axel durant toute la finale sans trouver l'ouverture. Mais bon, je me suis fait plaisir durant toute la journée, j'ai bien apprécié le terrain. En tout cas, on se retrouve week-end prochain pour la prochaine épreuve du championnat. Et oui, on retourne à Arles. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur Arles, je vous conseille d'aller la voir. En tout cas, je vous laisse avec ces belles images de la fin de journée. Prenez soin de vous. Pensez à vous abonner et à lâcher un petit like sur la vidéo et à la partager, ça me fera énormément plaisir. Bonne continuation et bisous!